épisode 13, les gamers, salut à tous, c'est Rules, on se retrouve pour la suite du Let's Play de The Last of Us. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu à la fin de la vidéo et de vous abonner à ma chaîne, et on continue le Let's Play de The Last of Us. C'est parti pour l'épisode 13. Alors, je me retrouve avec Ellie dans un quartier assez étrange, voire même bizarre. Parce que des gardes rôdent, où il y a des pièges aussi un peu de tous les côtés. C'est juste magnifique, ça. Je vais devoir me charger de ça tout de suite. C'est quoi déjà pour Louis? C'est quoi pour Louis? Ah, c'est là. Voilà. Là, je vais devoir me servir de Louis, forcément. Il y a un type là-bas. On va vite se barrer. Alors on est toujours avec les gardes, alors les lucioles, je sais pas c'est quoi, si c'est vraiment des lucioles ou des gardes, en tout cas il y a du beau monde. Voilà, je viens de faire péter une bombe là, ils se sont aperçus que ben, la bombe a pété, hein, forcément. Faut qu'on fouille la zone, il est quelque part dans le coin, allons voir dans la rue, vous là, allez voir là-bas. Ouais, faut qu'on se casse là. Non, y a rien du tout, mon gars. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi sa ronde à lui? Oh putain, ils sont deux. Oh putain, ils sont deux. Waouh, on a eu chaud là. Waouh, on a eu chaud. On a eu chaud, Mireille. Faut que je me charge vite de lui. Waouh, ce que je viens de prendre. Waouh. Ouais, d'accord, dans le vide. Ouah, soigné. Ah mais c'est pas fini. Attends, laisse-moi le terminer. Tiens, donne-moi ta batte. Ah là, et toi t'as des balles à me donner? Non, bon, ok. Ouah, il y a encore du monde. J'ai entendu, on se déploie. Je sais pas si vous avez entendu, vous aussi. Joël, tu m'as vu? Ah oui, t'étais à fond, hein. T'étais à fond, hein. Ouais, y a un type. Y a un type là. Est-ce qu'il m'a vu lui? Non, il m'a pas vu. C'est bon ça. Mais non, ramasse ça. Mais non, ramasse ça, je te dis. Voilà. Ils sont où? Ouais, y en a un là. Il est où lui? D'accord, ok. Ah mais. C'est un truc de dingue, hein. Ils sont de partout. Ah cool, je viens de ramasser... Je vais pouvoir me faire un kit de soins. Voilà. Ouais, je vais même m'en faire deux, tu sais quoi. Pour le plaisir. Voilà. Mais non, ramasse ça, la brique. Putain, il est con, lui. Wow. Ah, je l'ai séché. Je l'ai séché. Ils sont où? Ah, c'est il faut regarder autour de soi. Oh là là, lui, comment je l'ai séché, quoi, sur le champ. Il a rien compris. Oh putain, il y en a un, là. Non, montre-toi et c'est le seul qui se montre pas. Allez, moi, je ramasse ça. Waouh, gars. Waouh. Oh putain, Joël. Joël, il est chaud patate, hein.
Il n'en reste plus qu'un. Il est derrière ça, là. Où qu'il est? Ah, il est là. Il est là. Est-ce qu'il va me griller, là? Si je fais... Toi, tais-toi, surtout, ouais. Ouais, c'est cool, y a personne. Bon, je pense que le ménage, là, il a été fait, hein. Honnêtement, je trouve que j'ai plutôt bien géré. Je vais ramasser la brique. Ça peut toujours servir. Non, on va continuer. Allez, viens. Viens, jeune fille. Ah, bah là, on peut pas y aller. D'accord. Alors, faut que je fasse attention de ne pas me faire avoir par des... des bombes ou autre. Je sais même pas si je peux aller là-bas d'ailleurs. Tenez, je vais y aller quand même jeter un œil, voir si je peux pas rentrer dans un bâtiment. Si, je peux rentrer dans un bâtiment. Wow, il y en a un, il a un cocktail molotov. Ouais, et ils sont deux en plus. Et ils sont deux. Tiens, je vais faire diversion. Il réagit après lui. Allez. Sortez! Qu'est-ce qu'ils font? Ah bah enfin. Je vais attraper le premier déjà. Voilà, comme ça lui il va pas me griller. Nickel. Oh, donne-moi ça toi. Et lui je vais me le faire à la... Comme ça hein. Voilà. Allez. Hop, dans... en mode de, bourrin. C'était bien trop juste. Excuse-moi. Tu sais, la BD que je lis, le héros dit ça après une grosse bataille. La survie à tout prix. Ouais. Ok. Avouez-le, j'ai quand même géré quand même. Note attaque de gang. Bon, on va fouiller les horizons. Je pense qu'il doit rien avoir à ramasser. Hein. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Tiens, approche-toi de ça là. Bibi il la veut ça. Vas-y. Voilà. Oh, ça c'est bon ça. Il y a moyen que je déglingue du... des types. Bon, là, je peux pas y aller. En tout cas, on va redescendre dans... de ce bâtiment-là. Et il y a rien du tout. Si, il y a des trucs là-bas, mais c'est quoi ça? C'est des billères, ouais, c'est des briques. Tiens, je vais en ramasser une. Hein, parce que moi, j'adore me battre à la... Ah, il y a quelque chose qui brille, là. C'est quoi ça? C'est une barre de... Ah, une barre de bounties. Vas-y, donne-moi ta... Oh, il y a un piège, là. Bon, allez, on se casse. Bon, on s'est occupé de tout le monde ici. Hein. Tout le monde est en train de dormir au calme, hein, avec sous le chant des oiseaux. Alors, nous, du coup, on va fouiller cet endroit-là maintenant. Il y a déjà un garde là-bas qui est à genoux. Bon, il doit être complètement mort. Hein. Donc, nous, on va rentrer dans ce bâtiment-là et on va fouiller... Si on peut pas récupérer des armes ou autre. Oh, des munitions. Ça, c'est bon. Oh, une note en plus. Note camion. D'accord, ok. Donc, la note du camion, je pense qu'à mon avis, c'est la fameuse note pour pouvoir le détruire. Vous savez, lors de l'épisode 12, on a aperçu un camion assez étrange. Bah, je peux rien faire. Assez étrange. Qui tirait au fusil mitrailleur. Donc je pense que la note du camion, ça peut être ça. Et ça, on va me demander un surin. Voilà. Hop là, un surin. Et ouais, et voilà. Et voilà le travail. Fais-toi plaisir, Rules. Serre-toi. Fais comme à la maison. Il y a de quoi se faire plaisir là-dedans. C'est dommage que je peux pas faire autre chose. C'est quoi qui me demande? Un bout de papier chelou. Donc ça doit être ça.
Mais avec ça, le problème, c'est que je peux rien faire d'autre. Même là, tu voyais, je vais quand même me faire un fumigène. Bon, bah, y a rien du tout. On va continuer, nous. La joie du monde en train de faire dodo. Ils sont morts. Ouais, bon, eux, ils sont complètement morts, même. Ellie, j'ai besoin de toi. Là, viens, Ellie. Joël qui s'est vachement rapproché de Ellie maintenant, hein, qui lui fait rappeler sa fille. On y est presque. Bah, on y est presque, on s'en rapproche en tout cas. Et ça fait plaisir de se rapprocher du Capitole car on sent un peu. J'ai vécu dans ce genre d'endroit, en zone de quarantaine de Boston. D'accord. Et tu peux nous en dire plus, Ellie, s'il te plaît? En voilà une autre. C'est un film. Ces affiches sont partout. Ouais, je l'ai vu, juste avant l'épidémie. C'est vrai? Et est-ce qu'il lui fait la peau? Personne ne meurt. C'est juste un film pour ados. Qui t'a emmené le voir, alors? J'en sais rien. Allez, reste concentré. D'accord. Alors, et je pense qu'il n'a pas avoué que sa fille est morte. Parce que si elle vient de signaler un film pour ado, forcément, sa fille était une ado. Donc, logique. Donc, logiquement. Encore ce foutu camion. Ça va, reste accroupi. Encore loin. Je t'ai sauvé de ce claqueur la semaine dernière. Je l'ai réfléchi. J'aurais dû te laisser crever ce jour-là. Oh, c'est bon. Ça se fait plus. C'est du bacon. Bien sûr que c'est bon. Bon, ils sont deux ici. En train de parler de bacon. C'est juste magnifique. J'ai un camion qui rôde ici. Donc, pour moi, il va falloir que je les attire là. Forcément. Donc vas-y, hein, je vais me concentrer. Je vais voir s'il y a moyen que je l'attrape, lui. Allez, viens, ramène-toi, n'aie pas peur. Peut faire de mal. Il est où? Je sais même pas s'il si, il ose pas y aller. Hein. Et il ose pas venir, en tout cas. Hein. Wouah, merde, je crois que j'ai attiré toute la famille. Oh putain. Oh putain, il y en a un qui arrive. Je suis juste derrière toi, mec. Putain, mais il nous tire dessus. Oh merde! Oh merde! Oh merde, deux balles! Oh chaud, chaud, chaud! Il est où le camion?
C'est surtout le camion sur quoi il faut que je me concentre. Alors là, il y a la barre de fer. Avec une barre de fer, forcément, on peut tout faire. Donc, je vais la ramasser. Et je vais rester accroupi. Parce que maintenant, il va falloir qu'on évite ce camion qui a essayé de nous tirer dessus. Et là, ça va se compliquer, je pense. Waouh. Alors là, j'ai une batte, ok. Bon, il cherche, hein, il sait pas d'où ça vient, donc nous, on va continuer tranquillement, doucement, mais sûrement. Waouh. Waouh, je peux passer là, ouais, je peux. Et ici, est-ce qu'il me voit? Non, il me voit pas, donc je pense qu'à mon avis, on va sortir de l'autre côté, là. Voilà. Et on va essayer de longer sans qu'on se fasse repérer. Donc ça va être une mission assez difficile, certes, mais bon, je pense que là il nous voit pas en plus. Nickel. Oh, la trace. Waouh. Oh, il y a un mec. Ouah, allonge-toi. Ouah, il y en a un autre. C'est quoi ton problème, mec? Ah, c'est tendu, hein. C'est tendu, hein. Il y a un type là ou quoi, là? Je viens d'apercevoir quelqu'un, non? Bon, je vais me soigner en tout cas. Allez, on se soigne. Parce que là, ça commence à être tendu pour nous. Et ça fusille dans tous les sens. Et je pense que j'ai dû vous casser les oreilles avec ce... tous ces bruits là. Je peux me faire encore un kit de soins supplémentaire. Je vais en profiter. Et vous savez quoi, même le surin, je pense qu'à mon avis, on peut se faire plaisir. Donc on va le faire aussi. Comme ça on va pouvoir ramasser tout ce qu'il y a là. Putain, et c'est tendu, excusez-moi pour la petite insulte là qui vient de sortir de ma bouche à l'instant même. Mais c'est quand même tendu. Hein. Allez, non, on va se casser d'ici. Allez, on se barre. Qu'est-ce qu'il fait? Tiens, prends ça. Et c'est pas raccourci ce qu'on vient de prendre, hein, je peux vous le dire. Bon, arrête de tirer toi, c'est bon, c'est terminé, hein, je me suis barré. Hein. Il doit y avoir du monde ici. Il est là. Hein. Il est là et il lâche pas l'affaire. Hein. Putain. Wow. Allez, on continue. On va attendre qu'il arrête de tirer. Vas-y, là. Voilà, comme ça, on l'a évité. Ouah, il est juste là. Abusé. Il nous suit, il va pas nous lâcher. Hein. Bon, je pense qu'à mon avis, là, on est tranquille maintenant. Deuxième étage. Allez, maintenant, je pense que... il est pas prêt de nous suivre. Donc je pense que là on est tranquille. On va juste fouiller maintenant, voir si on peut pas récupérer quelques trucs qui peuvent nous intéresser dans le coin. Non, on peut toujours rien ramasser. Un peu d'action quand même, ça fait un peu de bien aussi. Au passage. Je crois qu'on peut monter par là. Ouais, c'est bon, il s'est barré. Nous on en profite, on se casse, on monte. Allez, hop. Ah dommage, je peux pas continuer là, donc il va falloir que je passe par là, je suppose. Allez, il va falloir se casser les gueules là. Ellie est toujours derrière nous, elle nous suit. Ouais, c'est bon, elle arrive.
Oh, on a eu chaud, hein. On a eu chaud en tout cas. Allez, on a trouvé un appartement où on peut se réfugier. Commence à y avoir de plus en plus d'actions sur The Last of Us. Nous sommes à l'épisode 13, je tiens à vous le rappeler. Ouais, et qu'est-ce que je fous là, moi? Hein? C'est quoi mon but? C'est de sauter maintenant? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour me retrouver ici? T'as pas moyen d'ouvrir une porte, là? Je vais pas sauter, quand même. Ce serait complètement débile. Si je sors par là, je peux pas. C'est ce que je pouvais... Non, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Ils veulent vraiment que je passe par là. Hein. Même la gamine, elle est opérationnelle. Elle s'est dit, attends, on va sauter. Hein. Ah non, il y a quelque chose là-bas. Je viens d'apercevoir une fenêtre ouverte. Oh putain. Tout va bien. Ils peuvent pas nous voir. C'est quoi ça? Joël! Attends, attends! Joël, arrête! Regarde! Laisse-le tranquille! Du calme, petit. Fais pas de bêtises. Ça va. C'est pas des méchants, eux. Baisse le flingue. Ah, oh, merde, tu frappes fort. Ouais, c'est parce que j'essayais de te tuer. Ouais, j'ai cru que t'étais avec eux aussi. Après, je t'ai vu. Vous avez peut-être remarqué, y a pas de gosse avec eux. La loi du plus fort. Tu saignes? Bon, non, c'est rien. Je m'appelle Henri. Lui, c'est Sam. J'ai cru entendre que tu t'appelais Joël. Ellie. Qui d'autre est avec vous? Ils sont morts. Hé, hey, on n'en sait rien. On était plusieurs. Quelqu'un a eu la super idée d'entrer dans cette ville pour chercher des vivres. Ces enfoirés nous ont tendu un piège. On a été séparés. Maintenant, on essaie de sortir de cette merde. On peut faire équipe. Ellie. Il faut qu'on se serre les coudes. Elle a raison. On pourrait s'entraider. On a une planque pas loin d'ici. On sera en sécurité pour parler. Ok, on vous suit. Suivez-moi. Désolé pour l'histoire du flingue. T'inquiète, j'aurais sûrement fait la même chose. Vous êtes... Wow. Nous, on vient de Hartford. Vraiment? On m'a dit que c'était pas la joie. Ouais, l'armée a abandonné la zone. Alors on est parti. Ça doit ressembler à ici maintenant. Bon, on a trouvé du beau monde, hein, en tout cas. Ça fait plaisir de croiser des gens normaux, hein, sur The Last of Us. C'est toujours rassurant. Et moi, je suis en train de fouiller l'appartement parce que je passe à côté de rien du tout. Je laisse rien traîner. En mode survie, ça reste du survie. Il faut qu'on soit prudent. On est près d'un des postes de surveillance. T'es seul avec ta fille? C'est pas mon père, c'est juste... J'ai promis à quelqu'un de veiller sur elle. Ouais. On peut pas l'ouvrir celle-là? Ah si. Ah moi j'utilise le surin, y'a pas de problème. Ok. Cool. Voilà, quand on utilise un surin, on est toujours gâté. Hop, la boîte d'haricots verts. Ah non, je suis blindé. Bon. C'est pas grave, on va continuer à fouiller nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a de quoi faire. Nickel. D'ailleurs, il me faudrait un établi au passage. Pour que je puisse
Ellie, j'ai encore trouvé une de ces BD. Attendez, taisez-vous. Écartez-vous des fenêtres. Ils sont partis. Merde, ce foutu camion. Ils nous pourchassent depuis qu'on est arrivé dans cette... Sam, qu'est-ce que tu fais ? Rien. Jette-moi ça. Mon sac à dos est quasiment vide. C'est quoi la règle sur ce qu'on prend ? Mais ça pèse rien. La règle, c'est quoi ? On prend le minimum. C'est ça. Allez, on y va. Il est loin, cet endroit. On arrive. C'est tout près. On s'en rapproche alors. Ça, c'est bon. On va pouvoir discuter après. Oh, il y a du monde là aussi ? Merde ! Ellie, tu nous couvres. On dirait qu'il y avait quelqu'un. Bien sûr. Mais ils sont partis. Sam, et où sont les reste autres? Avec elle. Tu voulais okay. Refaire un dernier tour pour s'assurer qu'on n'ait rien loupé. Ok. Va jeter un œil par là. J'ai fouillé cette zone. Va jeter un œil ici. Va voir par là-bas. Bon, lui, déjà, il a une barre de fer. Ça, c'est bon. Ça m'intéresse. La barre de fer m'intéresse, moi. Allez, j'y vais. Je vais essayer de me le faire. Vite. Et prends la barre de fer au passage. Voilà. Ça c'est bon, allez, ramène-toi. Tu vas me payer, enfoiré. Oh, oh, j'ai... De toute façon, il est tout seul, il peut plus rien faire lui. Voilà. Tout va bien. Pas mal pour un vieux. Je vais essayer de l'air. Oh. Tiens, prends ça. Wow, on a eu chaud. On a eu chaud. En tout cas, pas mal ce système. Hein. Allez, on continue. Par cette porte. Toi qui les connais bien, tu es certain que c'est sûr? Je suis le seul qui a la clé. Et d'où tu la tiens? J'ai tué l'un d'entre eux. Il lui servira plus. Allez, passez. Ouais, attends, je fouille avant, mec. Laisse-moi fouiller. Voilà. Pendentif des lucioles encore.
Non, il n'y a rien du tout. C'est vrai. Allez, c'est parti. Bon, je vois que la... l'individu veut pas parler avec nous. Tu veux pas discuter, qu'on discute, je sais pas, moi, de tout et de rien, quoi. Fais connaissance, non? Ah, si tu veux, je te fais des frites. Tu veux pas faire... tu veux pas que je te fasse des frites? Voilà, on va le retrouver. On y est. Bienvenue dans mon bureau. Ça fait longtemps que vous vous cachez ici? Ouais, quelques jours. Mais on a trouvé à manger. Viens. Des myrtilles? On en a toute une réserve. T'en veux? Non. Eh, hey, détends-toi. On craint rien. Alors pourquoi vous êtes pas parti? On attendait juste le bon moment. Et? Viens, je vais te montrer un truc. Regarde ces fils de pute. Tous les jours, ils se retrouvent ici pour surveiller ce foutu pont. Mais le soir, ils sont plus que quelques-uns. Quand le soleil est couché, c'est notre chance. Vu ce qu'il reste, on peut leur passer sous le nez. Ça peut marcher. Oh, ça va marcher. Ça va carrément marcher. Ok, prête? Aïe! Attaqué par une myrtille. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sourire comme ça. Elle a pas l'air de s'en faire beaucoup. Où est-ce que vous alliez? Il paraît que les lucioles sont implantées quelque part à l'ouest. On peut les rejoindre. Ouais. Ça te fait marrer? Ben, j'ai juste l'impression qu'il y a un paquet de gens qui misent tout sur les lucioles ces jours-ci. Ouais, c'est peut-être pas par hasard. Alors, tu sais pas où ils sont et tu comptes lui faire traverser tout le pays pour les retrouver. Tu sais quoi? Tu vas me laisser m'occuper de mon frère et tu vas t'occuper de ta gamine. Détends-toi. Nous aussi, on cherche les lucioles. On est là. Il y a une station radio militaire abandonnée à l'extérieur de la ville. Les survivants de notre groupe sont censés nous retrouver là, demain. Si toi et ta fille voulaient venir, c'est cette nuit que ça se passe. On devrait se reposer un peu alors. Il dit qu'il faut qu'on y aille. On va devoir être rapide, d'accord? Alors peu importe ce qui se passe, tu me colles. Je te colle. Tu me colles. Compris. Bien, bien. Bon, tout le monde est prêt? Ouais. Ok. Vous éloignez pas, ok? T'as déjà essayé? Bon, en tout cas, ça sera pas ce soir qu'on ira au pont. On attendra ça la prochaine épisode pour y aller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était The Last of Us, épisode 13, avec Rules, moi-même. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un commentaire et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Twitter et Twitch sur Rules Gamer. Portez-vous bien, on se retrouve quant à nous pour de nouvelles vidéos. C'était un plaisir de vous avoir présenté cet épisode 13 du Let's Play de The Last of Us. Salut les gamers!